Merci Abbas Famougli Traoré, le candidat de l'URD a animé cet après-midi une conférence de presse. Soumaïla Cissé a remercié ses militants avant de décrier ce qu'il appelle des dysfonctionnements constatés pendant l'élection présidentielle du 28 juillet dernier. Pour cette raison, il demande au gouvernement de prendre des dispositions idoines afin de permettre aux réfugiés de voter au second tour. Mohamed Diarra. Le candidat de l'URD est apparu devant la presse et ses militants pour livrer ses premières impressions juste après la proclamation des résultats provisoires complets de l'élection du 28 juillet. Soumaïla Cissé adresse ses premiers mots à tous ceux qui lui ont fait confiance. Le candidat de l'URD dénonce ce qu'il qualifie de dysfonctionnement lors de l'élection présidentielle du 28 juillet. L'arbre de la grande mobilisation du peuple malien le 28 juillet dernier ne doit pas cacher la forêt de l'impréparation, de la mauvaise organisation et de la fraude qui ont caractérisé le premier tour de l'élection présidentielle. En vue du deuxième tour, j'invite le gouvernement et les partenaires du Mali à prendre des mesures vigoureuses pour permettre l'expression claire et nette de la volonté du peuple. Je demande et j'insiste que les Maliens présents dans les camps de réfugiés ne soient pas privés de leur droit de vote. Je n'accepterai pas que des entraves soient délibérément multipliées pour empêcher le vote dans les ambassades et consulats. Pour le second tour, le candidat propose une somme de recettes pour assurer la transparence du scrutin. Nous allons demander à ce que, puisque nous ne sommes plus que deux candidats, que chaque bulletin, au moment où on va le donner à l'électeur, soit signé par les deux délégués du bureau de vote. Une fois que ce bulletin est signé par les deux délégués, aucun bulletin ne peut venir de l'extérieur. Toutefois, Soumaïla Cissé n'exclut pas de déposer des recours auprès de la Cour constitutionnelle pour les cas de fraude constatés. Pour le second tour, conformément à l'esprit de la plateforme signée par les membres du FDR, les tractations sont en cours entre les différents partis politiques. Le candidat Cissé est convaincu qu'il pourra relever les nombreux défis auxquels le Mali est confronté. Soumaïla Cissé s'est dit favorable à un débat contradictoire pour le sprint final.